Savez-vous que quelques 15 millions de personnes dans le monde subissent un accident vasculaire cérébral? 5 millions y laissent leur vie. 5 millions sont restés à jamais handicapés. Et à Maurice uniquement, 725 décès sont liés à une thrombose cérébrale. Un AVC veut dire accident vasculaire cérébral. Ici, on le connaît aussi comme thrombose cérébrale, congestion cérébrale ou attaque cérébrale. Les symptômes de l'AVC sont multiples, dépendant de la localisation de l'AVC. Ça peut se manifester par une paralysie d'une partie du corps, d'une paralysie du visage, des troubles du langage, des troubles visuels, des vertiges, une instabilité, des maux de tête. Dès l'arrivée du patient, nous ne prenons pas plus que 45 minutes pour faire tout le bilan, y compris le scanner, et de là à administrer la thrombolyse. L'AVC peut se produire n'importe où, n'importe quand. Et chaque minute qui passe va détériorer et même éliminer les cellules cérébrales affectées. Les dommages aux cellules du cerveau peuvent être remédiés si le traitement est rapide. Si vous repérez un accident vasculaire cérébral, il vaut mieux agir rapidement car les premières heures sont cruciales. Pensez à vite. En somme, vite veut dire V comme un visage affaissé, I comme incapacité à lire ou faire bouger le bras, T comme trouble de la parole et enfin E comme extrême urgence. Agissez vite. Il suffit d'appeler le 132.